y a 7 ans de ça, Mala retourne la Réunion en 2014. Et Mala rencontre Charlie Lesquelin. Donc avant de te faire bonne fresque, murale, bonne chemin, chez des particuliers. Et il y a dire moi comment ben, pourquoi on ne fait pas le même affaire mais sur d'autres supports, par exemple un tableau. Quand il passe par le port, mon cœur y balance mal. Mala prend le dessiné par ben, les bandes dessinées, Marvel en recopiant, etc. Donc Mina, cet univers-là, l'a beaucoup aidé à moi pour l'anatomie, etc. Après, avec les beaux-arts, donc Mala apprend la lumière, la perspective et tout ça. Et ben, l'a mis mettre ça en pratique, et ben, plus style figuratif. Et après, ben, mes rêves, t'as donc la paix onirique aussi, et mes mélanges tout ça là, et puis avec mon côté Rasta aussi. L'art en général à La Réunion l'a changé et Domouni regarde ça avec un autre œil qu'avant quoi. Parce qu'avant où t'es peint, où t'es dense, c'était banal, tu vois. Tandis que là vraiment il prend une importance dans la vie de tous les jours, il égaye la vie quoi. Souvent des fois il est curieux, il regarde, il prend beaucoup de photos. Pour la lumière, pour la disposition du travail. Et souvent, c'est des commandes, mais après, moi-même, il laisse mon imagination aller comme ça. Ce tableau-là, c'est la Ravine Bianica. Donc, comme il aime bien inspirer à moi du travail, mais ça va sur le lieu, si possible. Donc, il apprendre les sentiers, il regarde le bon papang, il regarde les affaires. Mais tu as beaucoup de photos parce que la lumière est changeante. Et après, il prend le position le plus réel possible et il essaie de retraduire ça en peinture. La peinture, c'est un exutoire, c'est une évasion, c'est... on peut mettre des messages dedans, on peut mettre... Il y a beaucoup d'amour déjà, et l'amour de la peinture, l'amour de partager, d'offrir, de dire ce qu'on pense, et que, bah, voilà, c'est une extension de moi-même.